ça avance du côté des bleus et du côté des rouges. Asimov en profite pour remplir la chaudière de carburant. Ils ont donc une légère avance de 4-5 points maintenant. Et ils font tourner leur hélice avant les bleus. C'est donc 60 points supplémentaires qui s'ajoutent pour l'Alliance des Rouges. Déjà une roue dentée en place pour la deuxième hélice du côté des rouges. Et une première hélice qui s'active du côté des bleus. Voici les tornades à toute vitesse. Qui revient chercher une roue dentée. Deux hélices qui tournent maintenant pour les deux alliances. Deux hélices qui tournent dans chaque dirigeable. Il reste un peu moins de 2 minutes déjà. Et les tornades qui semblent coincées. Ou non, il essaie plutôt de ramasser une roue dentée qui est tombée au sol. Et les rouges qui ont une légère avance. Le carburant qui se répand sur le terrain. Et Romolion en zone neutre qui tente d'aider ses compatriotes et retourner chercher une autre roue dentée. Romolion qui ramasse une roue dentée à même le sol. Romolion qui revient vers son dirigeable avec une roue dentée. Et Romolion qui dépose la roue dentée au pied du dirigeable. Nous avons 3 hélices actives du côté des rouges. 3 rotors spinning for the Red Alliance. Ce qui leur donne une avance considérable avec un peu plus d'une minute à faire. There's just 1 minute left now, 60 secondes. Et les tornades s'affrontent avec les patenteux au centre du terrain. Un face-à-face entre tornades et patenteux. Et patenteux réussit à se dégager. Retourne vers son dirigeable. Il reste 48 secondes et l'écart se resserre entre les deux équipes. 3 hélices qui tournent de part et d'autre. 3 rotors spinning now for both teams. Voici les tornades au centre du terrain en zone neutre. Et les carnicas qui s'en mêlent. Les carnicas. Avec 30 secondes à faire, les carnicas sont prêts. Ils attendent qu'on leur lance la corde. Et Romolion qui est toujours dans la zone adverse. Est-ce qu'il reviendra à son dirigeable? Alors voici les tornades qui essaient de s'agripper à sa corde. Romolion qui revient à son dirigeable. Et ça monte du côté des bleus. C'est les carnicas. Non, les patenteux qui sont les premiers à monter. Bravo. Et du côté des rouges, les tornades sont à quelques centimètres d'activer le disque. Ils y sont presque, mais pas tout à fait. Oh, et à la dernière seconde, Asimov réussit à déclencher le disque tactile.